مع باسكال فاري رئيس تحرير فرانس فوتبول الذي أجرى الحوار مع محمد صلاح واللي هينزل صباح الغد بإذن الله. اتكلمنا معاه على موضوع البالوندور عامة، هل صلاح يشعر بالظلم لأي سبب من عدم اعتراف العالم بيك أفضل لاعب على مستوى العالم، انتقاله لبرشلونة، حظوظ البالوندور، كل هذا الكلام في لقاء خاص وحصري سوبر ليج مع باسكال فاري رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول. نشوف قال إيه ونرجع مرة أخرى. Alors, est-ce que Mohamed Salah a raison de prétendre vouloir être le meilleur joueur du monde? Bien sûr qu'il a raison, si c'est ce qu'il pense. Mais après, ils sont plusieurs à penser la même chose. Je pense que Karim Benzema pense la même chose. Je pense que Kylian Mbappé pense la même chose. Donc, on va voir ce que vont en décider les jurys et le juré du Ballon d'Or. Mais vu la saison que Mohamed Salah vient de faire, bien sûr qu'il fait partie des prétendants, bien sûr qu'il fait partie des favoris pour la nouvelle édition du Ballon d'Or 2022. Moi, je me souviens notamment de son début d'année, en janvier, février, il marchait sur l'eau, il marchait sur ses adversaires, il marchait sur tout, quoi. Il était exceptionnel. Après, il a connu un petit passage à vide, il a été un petit peu blessé également. Mais il n'en reste pas moins que sa saison a été exceptionnelle et à sa place, moi j'y croirais au Ballon d'Or. Mais après, il va falloir convaincre tous les autres jurés. Et quant à l'interview, ça fait des mois et des mois qu'on courait après Mohamed Salah, mais il courait plus vite que nous, on n'arrivait pas à le rattraper. Et puis, comme par magie, ça doit être une coïncidence ou ça doit être un hasard, mais au fur et à mesure que la date du Ballon d'Or s'est rapprochée, eh bien, on a réussi à trouver un accord et Mohamed a accepté de s'exprimer dans les colonnes de France Football grâce à l'intermédiaire aussi de son agent, Rami, qui a sans doute compris tout l'intérêt qu'on pouvait tirer d'une telle exposition dans le magazine du Ballon d'Or. Mais à l'arrivée, on a le droit à un entretien très intéressant, très frais, très honnête, très sincère aussi, et dans lequel il nous raconte ses frustrations. Il parle notamment de sa 7e place au Ballon d'Or l'année dernière, qu'il n'a pas compris, mais il parle aussi et surtout de sa préparation faite notamment de méditation, de visualisation. C'est très 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 intéressant, mais comme souvent lorsque Mohamed Salah parle. احنا واخدين بالنا من الطريقة اللي بيتكلم بيها باسكال فيري.